Salut à tous, aujourd'hui une nouvelle vidéo. Au programme, donc semis de couverts végétaux, semis de prairies, et puis on va essayer de rouler tout ça et ensuite semer un peu de chaux, épandre un peu de chaux plutôt. Donc là, on se retrouve dans une parcelle de 2 hectares. Donc cette parcelle va accueillir une prairie temporaire, donc pour de l'ensilage. Et pour ce faire, j'ai utilisé un mélange avec de la luzerne, du trèfle, fléole, fétuc, du dactyle, donc pas mal de choses. Mais ce qui est le plus présent dans le mélange, c'est quand même la luzerne. Donc avec les années toujours plus sèches qu'on a, j'ai pris parti de semer pas mal de luzerne, vu que les racines vont assez profond. C'est une culture qui est très bien adaptée pour les conditions sèches. Du coup, au moins, on assure à peu près d'avoir une coupe. Donc, je ne sais pas si ça va se voir à la caméra, mais il a plu un peu cette nuit. Donc, on a un sol humide qui est bien travaillé, donc bien fin, pour pouvoir y implanter des petites graines. Donc, ce qui est très important, c'est de semer vraiment à la surface. Donc là, je ne sais pas si je vais réussir à trouver des petites graines. Voilà, ici, on les voit. Donc, il y en a au bout de la paille, là, des petites graines. Donc ça, c'est tout ce qui est trèfle, luzerne, etc. Et donc, c'est vraiment important de semer en surface. Si on sème trop profond, bah forcément, vu que c'est des graines qui sont toutes petites et qui n'ont pas forcément d'énergie, entre guillemets, elles vont pourrir. Et du coup, c'est vraiment important de les semer en surface. Si on avait une année très très sèche, on pourrait se permettre de les mettre à un petit centimètre. Mais c'est quand même un parti assez risqué. Parce que si après il vient beaucoup de pluie, il y a quand même le risque qu'elle n'arrive pas à germer assez vite. Donc bien évidemment, après avoir semé, vu qu'on sème pas mal en surface, on passe un coup de rouleau. Et puis comme ça, ça rappuie les petites graines au sol, ce qui fait qu'il y a un bon contact et elles peuvent germer comme il faut. Alors il y a beaucoup de vent, j'espère que vous m'entendrez. Je devais finir de semer avant la pluie, chose qui est faite, donc c'est pas plus mal. Bon, il n'est pas tombé ce qu'ils annonçaient. Alors comme ça, j'ai eu le temps de faire ce que je voulais faire. Il me reste à rouler tout ce que j'ai semé. Donc là, j'ai semé un engrais vert qui est composé de févrole, avoine, trèfle, du pois et de la poisette. Donc un engrais vert, ça permet de couvrir le sol jusqu'à la culture principale qui sera du maïs. Donc le maïs qui est une culture de printemps qui sera semée en mai. Donc nous avons l'obligation de couvrir les sols. Donc couvrir les sols, ça veut dire qu'il faut qu'il y ait une culture. Donc l'avantage de l'engrais vert, c'est que ça apporte de la matière organique, ça améliore la structure du sol et ça apporte des éléments comme de l'azote qui est capté par les légumineuses qui sont la févrole, le pois, les poisettes, l'avoine. Donc ce sont toutes des cultures qui sont bénéfiques pour le sol. Ok, je vous reprends, on est 2 jours ou 3 jours après, après les semis. Du coup, on s'est pris 15 mm, donc là on voit le rouleau derrière moi. J'ai pu passer sur un hectare et demi. Après, il pleuvait beaucoup trop, du coup j'ai décidé d'arrêter. On a eu du beau dimanche. Malheureusement, ils annonçaient pas de pluie et il est quand même tombé quelques millimètres. Alors, on va s'y atteler aujourd'hui, donc on est lundi matin. Je vais aller tester sur une parcelle, on verra si c'est trop mouillé, j'arrêterai.
parce que bon, il y a une parcelle, c'est de l'engrais vert. Alors au pire, c'est pas trop grave si je fais un peu des marques, donc c'est là où je vais tester. Mais l'autre parcelle, c'est une prairie artificielle qui va rester pendant au moins 3 ans. Alors s'il y a des ornières maintenant, c'est déjà très mal parti. Alors on va aller tester sur l'engrais vert et si ça passe, eh ben on continuera partout. Allez, c'est parti. Alors voilà, c'est comme je le pensais, vous voyez l'état du rouleau, il s'est pas mal rempli. Et puis on voit un peu les passages du tracteur. Bon là il me restait même pas un hectare au final, c'est pour ça que j'ai un peu forcé et que je l'ai fait. Mais comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est un engrais vert, alors c'est un peu moins grave. Je vais pas me lancer dans la parcelle de prairie parce que ça va faire du bordel. Et on peut le voir. Donc les roues du tracteur sont assez propres finalement, mais voilà, le rouleau c'est le plus important et là il est vraiment rempli de terre, alors ça fait pas un aussi bon travail. Du coup on s'arrête là pour un moment, on voit que le soleil claire bien, donc d'ici une heure ou deux ça aura un peu blanchi et on pourra entamer la dernière partie. Donc on se retrouve, il est midi et demi, les conditions sont bien meilleures. Voilà le rouleau, donc il est totalement propre par rapport à ce matin, ça n'a rien à voir, les roues sont propres aussi et surtout on voit très peu les passages du tracteur dans le champ, du coup c'est vraiment le top du top. Sachant qu'ils annoncent une semaine pas très certaine niveau météo, donc pas mal de risques de pluie, 1-2 mm par jour, mais ça suffit à empêcher de faire ce travail là. Alors c'est vraiment parfait que je puisse le faire aujourd'hui. Donc pourquoi je passe un rouleau après les semis de prairies ou de engrais verts ou ce genre de culture? Tout simplement pour rappuyer la graine et qu'il y ait un contact avec la terre, parce que sachant qu'on sème en surface, il faut quand même qu'il y ait un petit contact avec la terre pour que ça puisse germer comme il faut. En conditions sèches, ce qui n'est plus vraiment le cas, c'est pour essayer de garder un maximum de fraîcheur dans le sol une fois qu'on l'a travaillé, parce que vu qu'on ouvre le sol avec les machines dans style chisel ou charrue, forcément ça permet à l'eau de s'évaporer plus facilement. Alors donner un coup de rouleau, ça permet de rappuyer la terre et de garder l'humidité au fond. Un autre avantage, c'est de pouvoir enfoncer les petits cailloux, les pierres, pour que ensuite on ne les abîme pas avec la faucheuse. Donc ce rouleau permet de les enfoncer au moins un minimum. Les tout gros, forcément, je les ramasse et je les mets dans la benne qui est devant le tracteur. Et les plus petits, ben, ils sont justement enfoncés dans le sol. Ici, on a un bon exemple. Donc lui, il était en surface et maintenant, il est enterré. Donc là, il n'y a plus de risque que la faucheuse le prenne. Il est gros, alors je vais quand même l'embarquer. Donc voilà, je le prends quand même vu qu'il est gros. Au prochain coup de charrue, de toute façon, il va ressortir. Et puis, si on peut éviter quand même de le choper avec la faucheuse, normalement comme je viens de dire c'est pas le cas, mais autant embarquer, ce qui n'a rien à faire dans le champ. Allez, on continue. Pas d'épandage de chaud pour cet épisode vu que je l'ai pas reçu,
Mais du coup, on se fera ça dans une prochaine vidéo. J'espère que celle-ci vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, liker, partager et commenter. Ça me fait toujours très plaisir de lire vos commentaires. Et nous, on se dit à la prochaine dans une nouvelle vidéo. Ciao tout le monde!